Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop pour répondre à Marie-Christine. Oups. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué moi. Voilà. Elle m'a laissé un message ici comme quoi qu'elle avait pas mal de petits problèmes. Donc on va voir ça de suite. Je vais remonter ça un peu. Bon, tout faux. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Tant pis, il veut pas se mettre. Ok. Donc, oui, déjà, la première. Tac, 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 tac. Donc, impossible d'utiliser l'outil déplacement car la couche de destination est masquée. Déjà ça. Donc, notre ami Camille a répondu. Hein, parce que, bon, j'ai essayé de faire les défauts, mais j'y arrivais pas. Et bon, il m'a donné quelques réponses, donc voilà. Donc, ben, c'est pour ça que je fais la vidéo pour expliquer. Tout vient, par exemple, d'ici, la couche, ici. Parce que souvent, c'est vrai qu'ils se trompent, ils mettent sur couche. On a l'impression d'avoir les calques ici, mais en fin de compte, ce ne sont pas les calques. Par exemple, hop, j'ai. Hop, mettre celui-là. Voilà. J'ai caché ça. Voilà. Là, on a l'impression que celui-là n'est pas sélectionné, il n'y a que celui-là qui est en haut. Donc, du coup, si on va ici, si on clique avec l'outil déplacement, on a ce message. Donc, tout vient d'ici, de la couche ici. Donc, quand on n'a pas besoin des couches, hein, rectifier. Bon, là, tous les yeux sont ouverts. Donc, même là, on fait ça. Ça ne marche pas. Donc, cliquez ici que tout ça soit sélectionné pour pouvoir déplacer le calque. Autre cas de figure, toujours pareil, je vais prendre, c'est là, non, c'est ici. Là, du coup, j'ai passé à la troisième directe. Donc ici, impossible d'utiliser l'outil de déplacement car le calque n'est pas sélectionné. Voilà. Donc le résultat est le même. Là, il n'est pas sélectionné, mais si on est sur la couche ici, on a l'impression que les calques sont sélectionnés ici. Et dès qu'on clique ici, impossible d'utiliser l'outil déplacement car aucun calque n'est sélectionné. Donc voilà. À chaque fois qu'il y a les deux erreurs, en fin de compte, la première et la troisième, ça vient de là. Tout simplement. Voilà. Du coup, là, je sélectionne, vous voyez, boum. Ok. Donc, la deuxième. Oui, j'ai fait la première et la troisième parce que c'est exactement le même principe, hein, toujours dans les couches. Voilà. Et ici, deux. Avertissement, aucun pixel n'est sélectionné à plus de 50%, le contour de la sélection ne sera pas visible. Voilà. Donc ça, voilà. Donc je vais faire une sélection. Hop, voilà l'erreur. Avertissement, aucun blablabla. Ok. Tout vient de là. Contour progressif. Je suis à 500 pixels. Si je mets par exemple à allez, 50 pixels, là je peux faire une sélection. Voilà, je fais un contour progressif. Vous voyez, c'est ce contour-là. Là je vais mettre à 0. Voilà, pour bien voir mes angles comme il faut. Donc c'est ici, là, ici, il faut mettre à 0 automatiquement. Si on fait un contour progressif, par exemple, je mets à 100 pixels. Voilà. Oui, faites attention à ça. Hein. Donc là, c'est pour faire plus ou moins un cercle. Voilà. Ok. Donc, je vais mettre tout ça à 0. Voilà. Ben, je pense que ça doit être tout. Ok. La couche de destination est masquée. Oui, ben, ça revient toujours au même problème, pareil, hein, de d'ici dans les couches. Voilà. Principe, c'est ça. Mais souvent, là, on doit voir, hein, parce que la photo est plus la même couleur. Là, il est bien sélectionné. Donc, je pense que le message d'erreur sur la CS6
Et elle est sur la CC. Je pense que le message doit pas être tout à fait le même entre les deux, je sais pas. Mais enfin, tous les coups, c'est ici, les couches. Bien tout remettre ici, bien comme il faut. Si vous avez une erreur, et venez sur les calques. Et là, vous aurez aucun problème. Ok. Donc, ben voilà, j'espère que elle va pouvoir se débrouiller avec ça. Et puis, ben, si elle a d'autres soucis, hein, qu'elle n'hésite pas. Et ben, surtout sur Photoshop. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Oh oui, ça fait un moment. Donc, bon, je me rappelle encore de tous les trucs, hein, mais quand il y a des erreurs, n'importe quoi, je ne m'en rappelle plus du tout. Parce que ça a dû m'arriver, hein. Ça c'est sûr à certains, comme tous les débutants. Hein. Moi j'ai bien débuté avec la CS, CS2, ou je sais plus. Bon, enfin bref. Voilà. Ok. Donc, je vous dis à plus. Allez, ciao.